Quels sont les avantages des emballages en bois ? On trouve trois grandes familles d'emballages bois. L'emballage léger, c'est celui que vous voyez quand vous faites vos courses. Les cagettes de fruits, les bourriches d'huîtres, de fromage ou de beurre. Ensuite, vous avez les caisses industrielles utilisées pour le transport, aussi bien dans les industries aéronautiques, spatiales, métallurgiques, automobiles, mais aussi pour le transport d'œuvres d'art. Enfin, la dernière famille représente le transport de 95% des marchandises. C'est la palette bois. Pour les emballages légers utilisés dans le secteur agroalimentaire, il y a trois facteurs importants. D'abord, la gestion de l'humidité, puisque le bois la capte et permet de maintenir les aliments à bonne température. Ensuite, le bois est naturellement bactéricide, ce qui améliore la durée de vie des aliments qui s'y trouvent et diminue le gaspillage. Enfin, il y a aussi une interaction entre le bois et le produit qui peut être intéressante. C'est le cas, par exemple, avec le saumon ou avec le vin. Pour les autres emballages, l'importance de la résistance mécanique ainsi que la possibilité de moduler la taille pour faire du sur-mesure sont des atouts majeurs. L'emballage industriel bois continue de stocker le carbone au cœur du parcours logistique. Et puis, c'est un matériau renouvelable, recyclable et réutilisable. Par exemple, une palette peut avoir en moyenne 30 vies.